Bah alors? Tu croyais vraiment que t'allais te débarrasser de moi? Non. Je sais que t'es coriace. Mais c'est un bon début, non? Ouais, si on veut. Mais je comprends pas. Eh? On s'amusait bien tous les deux, non? Un peu trop, même. Un peu trop, même. Mais pourtant, pendant plus de 10 ans, ça t'a jamais dérangé. Oh, qu'est-ce qui fait que t'as voulu qu'on se sépare? C'est quoi le déclic? Y a pas de déclic. C'est une accumulation. Et puis, il fallait que je te tue avant que tu me tues. Puis on va dire que j'en avais marre de voir ta sale gueule dans le miroir tous les matins quand je me réveille. Et tu crois qu'il suffit d'une corde? Je crois que publiquement, mais si je bois pas d'alcool, mais si je me lève le matin et je vais au sport, mais si je m'habille comme un Italien et je me prends pour un entrepreneur. Eh, réveille-toi, clochard. Moi. Tu vois pas que le train est déjà passé? Et la seule fois où t'es monté dedans? Bah, on t'a trouvé explosé en train de raconter ta vie au contrôleur, en va bas. Ça, c'est le vrai toi. Le vrai moi? Ouais, le vrai toi. Celui qui insulte les clochards à la porte de Clichy. Celui qui se prend pour l'abbé Pierre parce qu'il a donné 20 euros. Qui se fait éclater la gueule parce qu'il sait pas conduire à porte de Biancourt. Celui qui est pas capable de finir un texte quand il a trop bu. Celui qui insulte ses copains les rappeurs. Qui perd ses contrats dans le cinéma et dans la musique. Le roi Snapchat. Le TikToker. James Patrick Masterclass. Nom d'un influenceur scatophile de Seattle West. Alors ça, une très belle description. Mais c'est une très belle description de toi. Parce que moi, j'ai jamais oublié mes textes en freestyle. C'est des DJ qui me coupent au planète rap. Sinon, c'est parti pour 8 minutes tout droit. Et puis, on va pas se mentir, ça rappe vachement mieux depuis que t'es plus là. T'as écouté le Colors? On n'est pas sur Johnny De Janeiro, là. Espèce de trimard. Moi, trimard? Eh, viens pas faire la mafia avec moi, je te rappelle que tu t'es caché pendant plus d'un an. Je me cachais pas. Je me préparais. Non. Tu te cachais. Tout le monde le dit. Moi, j'ai vu sur Internet. Hein, j'ai bien regardé sur Twitter. Et Twitter, ils disent toujours la vérité. Et ça, tout le monde le sait. Si tu le dis. Comment ça, si je le dis, t'as rien à dire de plus, Armand? Non. Ça, c'est toi qui aimes bien jacter. Tu vois, moi, la différence, c'est que je suis dans l'action. Ah ouais, action man, carrément! Bah vas-y, dis-leur. T'étais où pendant un an? Dis-le, tout le monde veut savoir. Je travaillais. Mais comment ça, travailler? Mais tu sais faire quoi, toi, à part le rap? Et insulter les influenceurs de voleurs? En tout cas, t'as pas décté pendant un an. Qu'est-ce que t'as maigri, mon pauvre? Attends, je le sens venir. C'est quoi, tête? T'as été triste et t'as tout arrêté, c'est ça? Ouais, j'ai été un peu triste. Mais ça a pas duré longtemps. Et puis j'avais besoin de faire autre chose. Dans la vraie vie, loin des réseaux, loin de la musique. Et toi? T'étais sur une table de poker en Thaïlande en train de perdre ton âme sur un brelan de 3, c'est ça? Exactement! C'est nique le casino, mon gars! Mais je suis pas ton gars, mon pote. Et moi, je suis pas ton pote, mon gars. Vas-y, ferme ta gueule. Ok, cool. Mais bon. Tu veux pas qu'on discute sérieusement? Explique-moi. Pourquoi t'as voulu qu'on se sépare? Et puis, je sais pas, c'est brutal comme transition. Hein, on pourrait faire un week-end sur deux ou une garde alternée, tiens. Allez, écoute-moi bien, espèce de grosse truffe. Il y aura pas de week-end. Il y aura pas de garde alternée et encore moins d'anniversaire. T'as eu ta chance et t'as fait tuer de la merde. Alors, c'est vrai, on a bien rigolé. Je te l'accorde. Mais moi, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire et j'ai pas besoin d'un putain de clown à mi-temps qui vient me parasiter l'esprit quand ça lui chante. Alors cette fois, si tu veux pas que je te rafale ta grand-mère ou que je te noie au fond d'un lac, j'ai intérêt à plus jamais revoir ta petite gueule de schlag, c'est compris? Tu vois cette petite gueule de schlag, là? Bah, elle a vendu presque un demi-million de CD, hein. Single de diamant, les singles de platine, les plateaux télé avec Hanouna, avec Ruquier, les plateaux cinéma, avec Monsieur Vincent Cassel, Gérard Depardieu, Rex 118... Ah, ok, d'accord. Rex 118, cinéma, Cassel, mais c'était il y a combien de temps, tout ça? Hein? Et ils sont où, tous ceux-là? T'as fait des showcases, mais t'as jamais fait de concert, de toute façon, t'avais pas le cardio. T'as lancé des rappeurs, mais encore une fois, personne te répond. T'as vendu des disques, mais tu touchais quoi dessus? Regarde-moi, je peux vendre 10 fois moins, je touche 2 fois plus. J'ai déjà fait notre meilleur clip, et c'est le premier. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils ont apprécié de voir pendu au bout d'une corde. Par contre, là, c'est... Ça, c'est pas sympa, ce que tu viens de faire. Ça, c'est bas. C'est bas parce que tu sais quoi? Ça me blesse. Mais c'est toi qui te blesses tout seul. Tu vois pas que t'es en train de tout gâcher depuis des années? Tu vois pas qu'on aurait pu être tellement loin sans tes conneries? Aucune rigueur, aucune remise en question. Avec toi, c'est toujours la faute des autres. Alors, c'est vrai qu'on a bien rigolé, mais tout ça pourquoi? Pour des souvenirs? Pour des memories? Ah bah non, c'est vrai. On t'a niqué ton Snapchat. D'ailleurs, c'est moi qui vais te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Bah t'étais là. T'étais aux premières loges. Plus de trading sur Snapchat.
les mangeurs et les mangeuses de caca dévoilés au grand jour. Entêtés tous les jours. Des dizaines de familles sauvées de l'affiliation et des pyramides de Ponzi. Et tout ça, bah c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Ok. Mais pourquoi t'as fait tout ça? Je viens de te dire, chef, que quoi? Tu veux quoi? Tu veux la vraie version? Ouais. J'aimerais bien que tu dises la vérité. Bah la vérité... La vérité, c'est que je supportais plus de voir cette bande de pantins décérébrés et sans talent manipulés par quelques cerveaux malades. Tu vois pas les enculés, ils s'en foutent plein les poches. Ils seraient capables de vendre du sable à un désert. Tout ça parce qu'ils ont les dents refaites et du Gucci sur le dos. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bah nous, on trime, et on trime comme des chiens. Pour qui? Pourquoi? Hein, tu peux pas me le dire. Pour qui et pourquoi on trime? Bah je vais te dire la vérité, c'est que j'étais jaloux. Alors tu rajoutes à ça un peu d'ego, une bonne dose d'improbabilité, et un fond, un zeste de vodka. Et regarde, c'est parti pour le feu d'artifice! Rah! Bah si t'étais jaloux, pourquoi t'as pas fait la même chose? Parce que c'était pas assez bien payé. Pas assez bien payé? Eh, on te proposait 250 000 euros par mois pour faire ça. Tu roules pas sur l'or, toi, en plus, non? Qu'est-ce que tu comprends pas? Je t'ai dit que c'était pas assez bien payé, tu vois pas que j'ai mon honneur? Alors je suis peut-être un schlag, mais je suis pas une pute, ok? Mais vas-y, arrête tes craries, toi. Ça te dérangeait pas de promouvoir du miel, des croquettes, des matelas? Mais vas-y, t'étais tout plein de swipe-up. Ouais, mais attends. T'as déjà vu une famille détruite par des croquettes et du miel? Et puis les matelas, qu'est-ce que tu me reproches? Les matelas, je te rappelle un truc, c'est que c'était de la super cam. 2 mètres sur 2 mètres. Des fibres en aloe vera qui garantissent des bonnes nuits de sommeil sans prise de tête. Et en plus, avec le code SADEC20... Hey, ferme ta gueule, trou du cul. T'as raison, je me suis emporté, mais bon. Ça me manque, tout ça. Ah, je te comprends. 3 millions d'abonnés, des milliers d'euros par jour. C'est sûr que ça les sent trop. Non, mais c'est pas ça la question. Tu sais très bien que j'ai toujours aimé régaler la galerie, moi. Et puis tu vas quoi? Tu vas me reprocher de prendre ma part alors qu'on a envoyé les gens sur Stargate? Swipe up. Non, mais c'est pas ça le problème. Bah, c'est quoi alors? Bah, c'est que tu contrastes avec le reste du tableau. Tu vois pas qu'ils sont tous bloqués dans une posture, tous à faire été de serré, alors quoi? Tu vas en vouloir au public de pas te prendre au sérieux? Mais c'est toi qui donnes le bâton pour te faire battre et après tu t'étonnes quand ça fait mal. Ouais, mais. Les premiers qui m'ont critiqué. Bah c'est les premiers à avoir repris mon combat 6 mois après quand j'étais plus là. Alors qu'ils s'entresuçaient jusqu'à la moelle pour me faire tomber quand j'étais à Dubaï, il a suffi d'une fausse montre et boum, ils étaient plus copains. C'est dingue, non? D'ailleurs, tu trouves pas que vous êtes allé trop loin? Que vous êtes affiché à afficher vos familles sur Internet, à parler que sur Internet, à se donner rendez-vous à des barrières auxquelles personne ne peut rien faire? Donc c'est ça le rap maintenant? C'est ça les nouveaux gangsters? Moi je te mens pas, je trouve ça ridicule. Mais c'est à ce moment-là où d'ailleurs j'ai envisagé de te pendre. Ouais mais attends. C'est lui qui a commencé. Mais comment c'est quoi? Il t'a fait une vanne sur un matelas et t'es parti au quart de tour comme d'habitude? Non, parce que je te rappelle un truc, c'est que les matelas, eh ben c'était de la super camelote. Et puis tu voulais que je fasse quoi? L'ignorer? Tout simplement? Bah j'avoue qu'il y en a qui sont sur le trône et à qui ça réussit pas mal. Hein. Mais là je te parle pas de rap, de compète, de ma bite là. Tu vois pas que je te parle de santé mentale, je te parle d'épanouissement, je te parle de se fixer des objectifs et de jamais en dévier. Et puis tu le sais bien, non? La seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, c'est toi-même. Bah vas-y, allez, vas-y. Parlons de l'album. Mais même ça, tu veux pas reconnaître que je t'ai donné un sacré coup de main pour ma dernière apparition. Je suis allé à un anniversaire. Une photo. Et tu fais le meilleur démarrage de ta carrière. Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai utilisé que mes ennemis pour ça. Et toi le premier. D'ailleurs, tu sais ce que c'est un cheval de Troie? Bah non, j'imagine que tu sais pas. Par contre, on peut en faire entrer deux dans tes bourrelets. Attends, mais tu sais que c'est de la grossophobie, ça? Mais t'es devenu comme eux, ma parole. Ça, c'est encore une phrase d'obèse mal dans sa peau. Je vais te dire un truc, je peux perdre tout le poids du monde, ils m'appelleront toujours le gros. Et tu sais pourquoi? Ah non, tu sais pas. Alors c'est vrai que pour la musique, t'as un petit talent. Mais par contre, quand il s'agit de faire un album, là, c'est une toute autre histoire. Ah ouais? Bah vas-y, développe. Quincy Jones. Quincy Jones. Encore une fois, t'as rien compris. C'est pour ça qu'il fallait changer de propriétaire. Alors oui, je t'ai laissé intervenir sur des titres par-ci, par-là. Parce que c'est ta dernière fois. Mais on va se parler franchement. Même là, tu fais que de la merde. La seule personne qui attend quelque chose, c'est toi. Parce que tu penses qu'à ta gueule. Parce que t'as pas d'amis, pas d'enfants, pas de femmes. Tout ça, c'est moi et tu le sais très bien. Toi, tu te détestes encore plus que je te déteste. Tu te négliges et tu négliges les autres parce que t'es qu'un égoïste. Ah bah putain. C'est que c'est super profond ce que tu viens de dire. Je vois que la pilule, elle est bien passée, hein. Mais tu vois pas qu'il y a toi qui prends des pilules. Moi, personne m'a eu, personne m'aura jamais. T'as écouté l'album que j'ai fait? Hein? Tu l'as écouté? Regarde-moi ça, t'es vert. 10 ans que je te paye des séances studio tous les jours. Et tout ça pourquoi? Tes meilleurs morceaux à toi, c'est des feats. Ouais. Et d'ailleurs, c'est que t'aurais dû en faire quelques-uns sur l'album quand même. Ah voilà.
Encore une stratégie de trimard. On fait quoi? Vas-y, je t'écoute, on appelle Nino. On lui demande de venir nous donner un hit. Parce que monsieur sait pas faire un album cohérent, un album construit. Juste une compilation de ses meilleurs textes de l'année. Une mixtape. Mais vas-y, je t'écoute. C'est quoi un album construit? Bah un album, espèce de gros trou du cul que t'es. C'est une histoire qui se raconte de la première à la dernière track. Ok, mais quel genre d'histoire? Le genre qui a un début, un milieu et une fin. Le genre d'histoire où on explique aux gens qu'on a tous le droit au changement. Le genre d'album où il n'y a pas de taille beat. Le genre d'album où les compositeurs, ils composent au service de l'album. Pas le genre d'album où tu finis une phrase par une rime sans queue ni tête juste pour combler. Le genre d'album où je peux enfin parler de moi. Enfin, le genre où t'es pas dedans. Et tu vas me faire croire que toi, t'as fait tout ça tout seul? Non, j'ai jamais dit ça. Comme tout le monde, j'ai une équipe. Une équipe solide, qui a cru en moi et qui m'a pas lâché. Instinct Production. C'est que c'est eux qui ont nettoyé tes conneries. Et puis d'ailleurs, c'est même eux qui m'ont fourni la corde. Et c'est quoi ça encore? C'est quoi Instinct Production? Ah, c'est un label de production audiovisuelle dans lequel bah, moi je sortirai tous mes prochains projets. Et toi, t'as quel rôle là-bas? Je suis artiste. Et puis, comme tout le monde, je donne des coups de main comme je peux à Naughty, BNF, Microbe et Symphony Dream. Ok, d'accord, j'ai capté, t'es devenu leur grand frère, Zarma. Non, je suis pas le grand frère, ils ont pas besoin de moi. Je veux juste pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi, que toi. Et donc, c'est pour ça que je donne un coup de main. Et puis, c'est une vraie union, c'est pas une union de victimes. Et quoi, ils t'ont aidé sur l'album? Évidemment qu'ils m'ont aidé. Puis j'ai tout fait dans un nouveau studio, le studio Vista, avec Pucci's, Milkshake et Kaz. Parce que contrairement à toi, nous, on a une vraie vision de ce qu'on doit faire. Ok, d'accord. Bah bon courage, mon grand. Mais tu vas vite te rendre compte d'un truc. C'est que le rap, bah, c'est devenu un sport de riche. Bah, t'inquiète pas, on a de quoi voir venir. J'espère juste que tu seras devant ton écran ce vendredi à 18h. Non, je pourrais pas être devant mon écran parce que j'ai showcase avec des étudiants en droit. Alors je te fais le topo. On va se bourrer la gueule, on va insulter tous les juges de France, je vais leur faire trois fois Madre Mia et je me barre avec le cash. Bah si tu veux venir, t'es le bienvenu. Non, moi je suis en répétition. Parce que bientôt on part en tournée. On va faire une tournée de toutes les plus petites salles de France pour expliquer à tous les gens que t'as déçus que cette fois-ci, il y a un vrai changement de propriétaire. Changement de propriétaire, ma bite. Jamais tu vas te débarrasser de moi. Tu comprends ça? Jamais! Ça m'impressionne plus tout ça. Ah ouais? Bah, peut-être que c'est moi qui devrais faire comme toi. Peut-être que c'est moi qui devrais me débarrasser de toi. Espèce de trou du cul. Hein. Tu vois pas que tu peux me tuer autant de fois que tu veux? Je reviendrai à chaque fois. Eh bah, espèce de trou du cul, à chaque fois que tu reviendras, je serai dans l'obligation de te tuer. Des chichas, des pizzas, des pitas, des croquettes et du miel. Je leur vends des matelas, des chichas, des pizzas, des pitas, des croquettes et du miel. Je leur vends des matelas, des chichas, des pizzas, des pitas, des croquettes et du miel. À ma place, fiste temps que tu vendrais ta daronne avec un code promotionnel. À ma place, fiste temps que tu vendrais ta daronne avec un code promotionnel. C'est vrai. À ma place, fiste temps que tu vendrais ta daronne avec un code promotionnel. On sait. À ma place, fiste temps que tu vendrais ta daronne avec un code promotionnel. C'est vrai. Je leur vends des matelas, des chichas, des pizzas, des pitas, des croquettes et du miel. Tu vois le problème? C'est que j'ai toujours été beaucoup plus intelligent que toi.